Une boîte de vitesse automatique est un système complexe qui permet de changer de rapport de transmission sans intervention du conducteur. Elle fonctionne grâce à un fluide spécial appelé l'huile de transmission qui assure la lubrification, le refroidissement et la transmission du couple entre les différents éléments. L'huile de transmission est essentielle pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la boîte de vitesse automatique. Si elle vient à manquer, cela peut entraîner des conséquences graves sur le système de transmission et sur la sécurité du véhicule. Comment savoir s'il manque d'huile dans une boîte de vitesse automatique? Il existe plusieurs signes qui peuvent indiquer un manque d'huile dans une boîte de vitesse automatique. Premièrement, une fuite d'huile visible sur le véhicule au niveau de la boîte de vitesse. Une difficulté à passer les vitesses qui peuvent être lentes, bruyantes ou sautées. Une surchauffe de la boîte de vitesse qui peut provoquer des odeurs désagréables ou des fumées. Une perte de puissance ou de performance du moteur. Ceci se conduit par un véhicule qui refuse de pouvoir se déplacer lorsque vous accélérez sur la pédale d'accélérateur. Un témoin lumineux qui s'allume sur le tableau de bord. Pour vérifier le niveau d'huile dans une boîte de vitesse automatique, il faut suivre les étapes suivantes. Première étape, faire chauffer le moteur jusqu'à sa température normale de fonctionnement. Se garer sur un sol plat et mettre le frein à main. Faire passer le levier de vitesse dans toutes les positions puis le remettre en position P parking. Couper le moteur et retirer la jauge d'huile située sur le côté ou à l'arrière de la boîte de vitesse. Essuyer la jauge avec un chiffon propre et la replacer dans son logement. La ressortir et vérifier que le niveau d'huile se situe entre les marques mini et maxi. Si le niveau est trop bas, ajoutez de l'huile adaptée au modèle du véhicule par l'orifice du remplissage. Comment prévenir et réparer un manque d'huile dans une boîte de vitesse automatique? Pour éviter un manque d'huile dans une boîte de vitesse automatique, il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau d'huile au moins tous les 10 000 km ou tous les ans. Faire vidanger et remplacer l'huile tous les 50 km ou tous les 2 ans selon les préconisations du constructeur. Contrôler l'état des joints et des durites qui peuvent être à l'origine des fuites. Adopter une conduite simple et éviter les changements brusques de vitesse ou des passages en marche arrière avant l'arrêt complet du véhicule. Si le manque d'huile dans une boîte de vitesse automatique est avéré, il faut impérativement consulter un professionnel qualifié qui pourra identifier la cause et l'origine de la fuite d'huile et la réparer. Nettoyer et rincer la boîte de vitesse pour éliminer les impuretés et les résidus. Remplacer l'huile usagée par une huile propre. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.